en licence 3 de médiation culturelle. Et donc, pour valider notre année, il fallait monter un projet, culturel. Et comme dans le parcours musée, exposition, patrimoine, on a dû mener un projet vraiment en rapport avec, avec ce thème-là. Le problème, c'est qu'en fait, à la base, on voulait vraiment... Enfin, les profs nous avaient conseillé de faire ça dans un musée. Donc, mais le problème, c'est que bah, voilà, les musées sont bookés pour 3 ans. Donc, on s'est fait un peu jeter parfois méchamment par les institutions culturelles. Donc, on a recherché d'autres lieux un peu plus petits. Moins grands. Et donc, on s'était renseigné auprès de la Maison des Métallos. Qui ont mis du temps à répondre. On s'était renseigné avec une autre association qui s'appelle C'Pointé, mais ça s'était pas très bien passé, du coup on a dit non. Et en fait, on avait contacté la Gare Expérimentale. C'est une association d'artistes. Voilà, ils sont là depuis 10 ans maintenant. Ils sont pérennes dans ce lieu-là depuis 1 an et demi. Et ils nous ont répondu 2 mois après, donc on n'avait toujours pas de lieu, donc c'était un peu le bon plan. On a visité le lieu, ça s'était bien passé, ça nous a plu. Et à partir de ce moment-là, donc là, c'était faire la sélection des œuvres, puisqu'on ne pouvait pas installer 116 œuvres ici, ce n'était pas possible. Donc il a fallu faire un gros tri, trouver un thème. Et donc on est parti sur les thèmes voilà, de l'altérité, la représentation de l'autre. Ça jouait sur l'ambiguïté aussi de l'art brut ou l'art naïf, sur le fait que ce soit l'art autre, l'art marginalisé, l'art mis de côté. Et donc, voilà, puis aussi c'était pour faire répondre ces espèces de portraits entre eux. C'est une sélection d'art et déchirure, du festival Art et déchirure, de leur collection permanente, parce qu'en fait c'est un festival qui a lieu tous les 2 ans à Rouen, sur l'art naïf, on peut dire ça, où ils mélangent donc des artistes véritables, on peut dire qu'ils gagnent leur vie comme ça, et des créateurs qui travaillent dans des centres hospitaliers ou dans des ateliers. Et donc ils font ça, c'est une association en 1901, depuis 1998. Et en fait, chaque année, du coup, c'est un festival où les artistes peuvent vendre leurs œuvres. Et les deux organisateurs, donc Joël Delaunay et José Sagitte, ne prennent pas de commission sur les ventes. Mais du coup, ils demandent, ils invitent les artistes à laisser une œuvre chaque année. Clairement, pour le vernissage, l'accrochage, le transport des œuvres, à un moment donné, on ne pouvait pas. Enfin, c'était quand même une somme considérable. On n'avait pas le droit de mettre en jeu de l'argent public. Donc, on n'avait pas le droit de créer une association ou de faire des demandes de subventions auprès du CROUS ou ce genre d'organisme. Et que du coup, il fallait trouver une autre solution. Et donc, au fur et à mesure, en fait, Elodie a lancé l'idée du crowdfunding. On a commencé à créer les budgets, ce genre de choses. Et du coup, on a repris l'idée du crowdfunding. Et après, on l'a lancé et on a essayé de trouver comment le faire, sur quel organisme, ce genre de choses, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. Du coup, ça nous a appris déjà à monter un budget, parce que c'était une chose qu'on ne savait pas forcément faire, de base. Non. Et on a pris Ulule, sous les conseils de personnes qui sont en communication, qui font beaucoup ça. Et on a demandé 450 €, et alors c'était pour le transport des œuvres, le traiteur, La communication. Et il y avait un truc. Mais après, il y avait la salle, puisqu'on paye 40 € par semaine. Donc il y avait 2 semaines, donc ça fait quand même 80 €. Et voilà. Voilà, et on avait demandé 450 € en visant vraiment très juste et en disant au pire, on rajoutera ce qu'il faut. Et au final, ça s'est très, très bien passé. On a eu notre budget en une journée. Et après, on n'a eu que du plus, on est monté à 650 €. Ulule nous a pris une commission de 8%, c'est ce qui représentait 55 €. Donc on a eu 600 €. Et voilà, du coup, on était très heureuse. Du coup, avec ça, on va pouvoir payer notre graphiste qui faisait ça bénévolement et notre traiteur qui faisait aussi ça bénévolement. Bon, ils ne vont pas être payés très gracieusement, mais peut-être payer un petit peu. C'est déjà ça, quoi. Voilà. Et donc, non, c'est là, regarde.